trop occupé à t'entraîner, à te battre, mais pourquoi faire quand tu sais que même le plus fait peut gagner à chauffer des noisettes, vivre comme des éviers qui même en flamme ne pourraient éveiller l'envie d'être sur terre ou d'affronter la fondation d'un foyer. La fondation d'un foyer. Bien que trop rares, elles ont existé, les quelques femmes qui auraient pu compter les heures, les jours, les mois, les années. T'es compté au lieu de ça, tu t'es toujours contenté de quelques coups vite fait, parfois très appréciés, mais paraissant désuets, comparé aux actes manqués. Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais comment? Mais comment fallait-il que je lui dise? Mais comment fallait-il que je lui dise? Mais comment fallait-il que je lui dise qu'elle refuse ma hantise? Mais comment fallait-il que je lui dise? Mais comment fallait-il que je lui dise? Mais comment fallait-il que je lui dise? Tout jeune, on me dit timide, on me dit mal dans ta peau. Toujours trop sensible, toujours trop réglo, pour surtout plus faire partie de la meute des puceaux. Tu passes à l'acte, ni trop tard, ni trop tôt, mais tu restes vierge dans ta tête et tu restes vierge dans ton cœur. Jamais la bonne personne, jamais à la bonne heure. Tu prépares un avenir à la seule contre tous, entouré peut-être, mais sans elle. Entouré peut-être, mais sans elle. La plus belle que t'aies vue, celle que tu revois encore, dès que tu baisses la garde face à tes remords. La plus intelligente, la plus tendre, la plus douce, la plus risquée aussi, celle qui te pousse à dire que. Mais comment? 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 Mais comment fallait-il que je lui dise?